À tous les 5 ans, c'est le moment de se rappeler, de se remémorer, de souligner le grand personnage qu'était le petit Gilles Villeneuve. Et c'est par l'anniversaire de sa mort qu'il revient ainsi dans nos souvenirs. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Pour notre débat de ce soir, deux chroniqueurs automobiles doublés de deux amis, Bertrand Godin et Philippe Lagu. On les dit indissociables, ils ont le même sourire. Et le vétéran journaliste spécialisé Pierre Lecourt, indissociable de lui-même. Ils écrivent tous pour des publications différentes, voire compétitrices, mais ils ont tous en commun d'être des admirateurs inconditionnels de Gilles Villeneuve, comme vous, comme moi. Nous sommes à vous dans un instant, mes amis, mais d'abord, histoire de se remémorer cette légende, deux reportages. Stéphane Turcot s'est rendu au musée Gilles Villeneuve à Berthierville et s'est retrempé dans ce passé glorieux. Mais d'abord, Russell Ducasse nous ramène 20 ans en arrière, ce 8 mai 1982, sur le circuit belge de Zolder. La voiture de Gilles Villeneuve arrive à 225 km/h. Devant lui, le bolide du pilote allemand Jochen Mass, qui roule beaucoup plus lentement. Ce que l'on ne voit pas à cause de l'angle de la caméra, c'est que le museau de la Ferrari de Villeneuve heurte la roue arrière de la March de Mass. Aucune perte de vitesse, le bolide s'envole, fait quelques tonneaux, tout ça sur une distance d'une centaine de mètres. Gilles est lui-même éjecté de la monoplace. Il est 13h52, les premiers soins arrivent, d'autres pilotes interviennent également. 11 minutes plus tard, Villeneuve est héliporté jusqu'à l'hôpital. Inconscient depuis le moment de l'accident, son décès est constaté à 21h12 dans la soirée du 8 mai 1982. Deux catégories d'hypothèses, les psychologiques et les mécaniques. D'abord, la rivalité omniprésente entre Gilles Villeneuve et son coéquipier chez Ferrari, Didier Pironi, qui venait tout juste de lui ravir la pole position. Ce qui expliquerait peut-être l'entêtement de Gilles Villeneuve à ne pas rentrer au puits, malgré les indications de son écurie. Et ensuite, les problèmes maritaux entre Gilles Villeneuve et son épouse, Joanne. Mais les proches de Villeneuve ne croient pas à l'erreur mentale. C'est la thèse de l'erreur mécanique qu'ils retiennent. Un accélérateur coincé qui aurait empêché Gilles de réagir à l'approche de la voiture de Jochen Mass. De plus, la plaque sous la voiture qui sert à solidifier l'ancrage des boulons qui retiennent les ceintures de sécurité n'aurait pas été posée par les mécanos. Ce qui expliquerait l'éjection du pilote hors de la monoplace. Russell Ducasse, TQS. À Montréal. À Berthierville, le souvenir de Gilles Villeneuve est encore tout entier. Justin Brûlé, qui avait à peine à l'époque 10 ans, se souvient très bien du chagrin de sa ville. Ça avait créé une grosse ampleur, avait été aux funérailles et tout ça, mais quand il y a eu l'exposition aussi, là, il y avait des lignes d'attente. Des funérailles nationales avaient été célébrées. Le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, était présent. Alors que le coéquipier de Villeneuve, Jody Scheckter, accompagnait l'épouse de Gilles, Joanne, ainsi que son jeune fiston, Jacques. On ne voit plus ça aujourd'hui. C'est sûr que la formule, ça a bien changé. Mais on s'ennuie de ce genre de pilotage-là, c'est vrai. Ce qui a frappé l'imaginaire des amateurs, c'est la façon de piloter de Gilles, sa témérité. Ses batailles constantes avec les autres pilotes. Et c'est ce qu'on évoque surtout au musée Gilles Villeneuve, où on accueille 20 000 visiteurs par année provenant de 30 pays et qui ont tous les yeux remplis d'admiration. Ça arrive assez souvent aussi dans le temps du Grand Prix qu'il y a des gens qui font l'aller-retour entre Montréal et Berthier en taxi, qui font attendre le taxi, le temps de visiter, d'acheter des souvenirs, de se souvenir de Gilles. C'est incroyable. Gaétan Giroux a possiblement été le meilleur ami de Gilles Villeneuve. D'ailleurs, il lui avait prêté sa voiture à son mariage. Les deux passaient des heures et des heures dans ce garage. Bon, c'est un gars simple, enfin, on est plus enfermé parce que Gilles, il n'y avait pas grand chum. Quand il se faisait un ami ou deux, ça faisait. Tu... Mais à Berthier, il n'y a pas qu'au musée où on retrouve des objets qui ont appartenu à Gilles Villeneuve. Il y a également sur ce terrain, qui appartient encore à la succession de Gilles Villeneuve, où on retrouve une vieille Mustang qui lui a appartenu et qui, évidemment, avec le temps, s'est passablement détériorée. Mais attention, elle fait encore l'envie de bien des personnes. Il y a 20 ans, Gaétan Giroux apprenait le décès de son ami au garage. Jacques, le frère de Gilles, lui avait annoncé. 20 ans plus tard, toujours au garage, il se souvient. Ah, je pense encore. On m'a donné même aujourd'hui, c'est en pâle, tu viens de cœur gros. Puis écoute, bien, c'est ce gars-là, fin du compte, c'est unique au monde. Avant d'en avoir un autre au Québec, là. Ça peut prendre 100 ans. Hein? Stéphane Turcot, TQS, à Berthierville. Une petite question rapide pour nos amis, parce que c'est toujours ce qu'on se dit. Où étais-tu? Je suis sûr que tu t'en rappelles.
Moi, j'étais à la maison, j'écoutais un reportage à la radio. Et dès le moment où j'ai entendu la voix du commentateur, je savais que c'était grave, puis je suis parti pour le bureau. Bertrand. Je suis en train de travailler derrière la maison. Mon père m'avait donné une tâche d'enlever des clous sur des planches de bois, puis moi aussi, j'écoutais ça à la radio. Philippe? Ça doit faire longtemps. Ça fait longtemps que t'as pas travaillé, toi. Moi, je dormais. 18 ans, on oui. se couche tard, on se lève tard. Je me suis réveillé par la radio également. Moi, c'est un ami qui m'a réveillé, qui m'a téléphoné un samedi matin en me disant « Réveille-toi, ça vaut à peine ». On compare ça à cet atterrissage ou cet alunissage de Neil Armstrong ou encore à la mort de John F. Kennedy. Donc, Gilles Villeneuve, 20 ans plus tard, et c'est à tous les 5 ans. C'est un souvenir qui revient plus que pour certains hommes d'État qui ont eu des dimensions plus grandes chez nous. Pourquoi ça revient toujours et pourquoi ce gars-là était unique? Comme le disait le monsieur, on ne verra pas ça en 100 ans. Bien, un souvenir qui revient, c'est relatif. Au Québec, il y a des sportifs qui sont beaucoup, beaucoup plus vénérés que Gilles. N'importe quel joueur de hockey, que ce soit les frères Richard, que ce soit Jean Béliveau, que ce soit Guy Lafleur, je pense que Gilles Villeneuve, de toute façon, a peut-être 10 fois la popularité en Italie qu'il n'a jamais eu ici. Puis il faut le voir pour le croire. Il faut aller là-bas. T'es en train de dire qu'on ne le vénère peut-être pas assez? Jamais. Pas du tout. Si c'était pas d'un gars comme Alain Bélumeur qui tient son musée à bout de bras à Berthierville, Gilles Villeneuve n'aurait pas été oublié, mais presque, parce qu'il y a des gars comme Pierre, justement, et comme Régent Tremblay qui ponctuellement nous rappellent quel grand pilote il a été, bon, comme tu le dis, à tous les 5 ans. Mais sinon, on n'a pas honoré la mémoire de ce gars-là comme elle aurait dû être honorée, jamais. D'accord, bien. Mais je pense que... pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est l'athlète, en tout cas, qu'on remémore l'anniversaire de sa mort le plus souvent. D'ailleurs, c'est l'oncle qui me disait, pourquoi parler de lui encore? Il est mort, c'est assez, il faut passer, tout ça. Mais il reste qu'il nous a tellement touchés, il nous a tellement marqués, pour une raison très simple. C'est parce qu'il était là, il gagnait des courses, il était bon, tout le monde l'aimait, puis soudainement, il est parti. Puis là, c'est comme un manque. On dit, ben non, on ne peut pas être parti, on voudrait voir la suite de ça. C'est qu'on n'a jamais vu la fin de ce qu'il nous annonçait. Mais je ne suis pas d'accord d'une certaine façon, et le but ce soir n'est pas du tout de se taper un débat houleux sur Gilles Villeneuve. Sa mémoire est trop extraordinaire, mais je ne pense pas qu'on le suivait. Toi, sûrement, les spécialistes, oui. Mais il est clair que les gens, les profanes, ont découvert Villeneuve après sa mort. C'est exact. Et qu'on ne savait même pas ce qu'il faisait, lui, dans les contrées étrangères. Je pense que quand Gilles a gagné en 78 à Montréal, c'est là vraiment que Gilles Villeneuve... Moi, je me souviens, j'étais dans une petite maison mobile à Sainte-Hélène de Bagotte, puis je regardais le Grand Prix. J'en tremblais. Ouais, je me disais... On était des marginaux, Bertrand. C'est ça que ça n'avait jamais l'impact que ça a aujourd'hui. Écoute, regardez ça se compare pas avec le nombre de personnes qui regardent la Formule 1 présentement. Ben voilà, non, c'est exactement. Parce qu'aujourd'hui, c'est aucun chiffre comparable. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 6-7 fois plus de monde qui vont à l'île Notre-Dame comparativement à les années suivantes, en 79, voilà. 80, 81, 82. Ah, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il reste que... Ce qui est arrivé, c'est que Gilles est mort jeune. D'abord, il disait qu'il avait 30 ans, mais il en avait 32. Et de façon horrible. Et il est mort d'une façon effectivement horrible. Il est disparu. Et là, tout le monde n'a pas eu le temps. Quand Senna est mort, on l'avait vu gagner le championnat du monde, on l'avait vu triompher, on l'avait établi des records. C'est sûr qu'on a pleuré sa mort, mais, ça. Mais son œuvre était presque achevée. Il restait presque plus d'années à Senna. Tandis que Gilles, on le voyait éternel, on ne pensait pas qu'il s'arrêterait un jour. Et c'est ça qui fait mal, parce qu'on n'a pas eu le temps de le voir. Les gens n'ont pas eu le temps de le connaître, n'ont pas eu le temps d'en savoir davantage sur le bonhomme. Il annonçait tellement que finalement, on a dit, ben non, il ne peut pas partir tout de suite, ça se peut pas, tu sais. Et moi, c'est sûr que je savais que Gilles mourrait d'une façon violente, mais jamais sur une piste de course. Je voyais mourir peut-être avec son bateau, avec son hélicoptère, sa route, un accident de la route, puis un truc comme ça, mais jamais sur une piste de course, parce qu'il était toujours tellement en contrôle que finalement, ça n'avait pas de sens. Mais en fait, le plus regrettable dans le cas de Gilles, c'est que dans sa courte carrière en Formule 1, il y a seulement une année où il y a eu vraiment une bonne voiture, puis c'était en 79. Puis il n'a pas eu le droit de gagner le championnat du monde. Il n'avait pas le droit de gagner le championnat du monde. Par contrat. Mais 82 était la meilleure voiture. 82, là, bon, ça s'est on revoit l'accident, pas, les amis. C'était pas la meilleure voiture. Il y avait des voitures. C'est parce que là, ce qu'on oublie, Péroni. C'est que... Péroni a fini deuxième en manquant le tiers de la saison. Oui, mais c'est parce que les Rosberg l'a gagné à la dernière course. Les pilotes Fourcade, ils ont manqué 4-5 ouais, courses. C'est vrai. Tu parles de Péroni et certains ont avancé qu'il était frustré du fait que Pironi lui ait soufflé une victoire devant lui. On a dit que c'était un cadeau d'anniversaire, un cadeau de mariage de la part de Ferrari. On lui a dit « tu passes devant Villeneuve » alors qu'on l'avait ralenti. C'était à la course précédente. Alors, il était frustré. Il voulait avoir le meilleur temps que lui.
Où étaient ces problèmes maritaux? Où était-ce, comme l'a souligné Pierre ce matin dans son quotidien, était-ce un problème d'accélérateur coincé? Moi, je pense que c'est un problème d'accélérateur coincé. Et c'est sûr que les problèmes, lorsqu'on embarque dans une voiture de course, on les oublie. Il n'y en a plus de problème. C'est ça n'existe pas. Ça existe au volant, ça n'existe pas. On est à fond, on est à l'écoute de notre voiture, on essaie d'en tirer le maximum. On perd toute notion de sécurité. Si ça avait été Pironi à la place de Jochenmaas, peut-être que là, je me serais dit, oui, peut-être qu'il a essayé une manœuvre juste pour l'intimider puis il s'est fait jouer un tour. Mais là, je crois pas. Moi, j'ai parlé à Jochenmaas à plusieurs reprises après l'accident. J'ai même téléphoné dans la semaine avant. Et lui, ce qu'il ne comprenait pas, c'est que Gilles soit arrivé soudainement comme ça, qu'il n'est absolument pas ralenti, quand il savait qu'il n'y avait pas d'endroit pour dépasser, c'était pas la place. Il avait rien à faire. Il a eu beau vouloir lui donner le passage. Lui, ce qu'il ne comprenait pas, c'est tout ça. Et c'est plus tard, éventuellement, quand il était venu à Montréal, au Mondial qu'il avait eu ici, avec lui à Montréal, il avait parlé à ce moment-là, il a dit, écoute, seule explication logique, il y avait un problème dans la voiture. Tout à l'heure, Philippe, tu as dit, si c'est rien par rapport à l'Italie, il y a des rues, il n'y a pas un café où on entre, il n'y a pas une photo de Villeneuve. Alors, oui, on a un musée, il y a 20 000 personnes par an qui vont faire un tour. Il y a un circuit qui porte son nom, mais où on ne va qu'une fois et maintenant deux fois par année. Est-ce que Montréal, est-ce que la ville de Québec, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire plus ici? Est-ce qu'on n'aurait pas dû honorer sa mémoire de meilleure façon, de plus belle façon? Bien, je pense que la mémoire est honorée d'abord d'une très belle façon en donnant son nom au circuit. Ça, c'est probablement la plus belle façon qu'on pouvait honorer sa mémoire, de un. De deux, elle est quand même honorée, mais je trouve qu'il y a beaucoup de récupération là-dedans. En ce sens que les gens l'aimaient, mais comme à distance un peu. Je ne savais pas trop c'était quoi la Formule 1. C'était un peu abstrait. Les Grands Prix à cette époque-là, corrige-moi si je me trompe, c'était pas tout télédiffusé en direct. Alors, il n'en demeure pas moins que la passion Villeneuve, ceux qui l'ont vécu à fond, c'était une gang de marginaux. C'était une gang de tripeux. Il fallait commander les revues. Il faut raconter une anecdote là-dessus. D'ailleurs, c'est le seul circuit au monde où, à la ligne départ arrivée, il y a une inscription, comme ici, c'est marqué « Salut Gilles ». Et on a eu, pendant une année, un promoteur qui est venu de l'Allemagne, Andreas Meyer, et lui, il n'en voulait pas de ça. Il avait donné ordre qu'il n'y en a absolument pas question, il n'y a pas d'inscription sur la piste. Et finalement, le jeudi soir, on avait eu des discussions avec les employés, et on l'avait écrit secrètement. Lui est arrivé le vendredi matin, et il avait dit, non, vous effacez ça. Les employés sur place avaient dit, si on efface ça, il n'y a pas de Grand Prix, il n'y a rien qui court en fin de semaine. En fait, Paul, ce que je te dirais, c'est qu'on a honoré la mémoire de Gilles Villeneuve de façon très officielle. Mais l'exemple que tu donnais avec l'Italie, avec les cafés, bien justement... C'est émotif, c'est les Italiens. C'est partout. Mes amis, au Québec. Gilles Villeneuve, on le dit, un des plus grands pilotes de l'histoire, mais sans être sarcastique, c'est un des plus grands pilotes avec le moins de victoires. Comment peut-on arriver, et ce n'est pas qu'ici, c'est de tous les côtés, des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'il y a deux côtés, là. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est basé sur notre émotion? Ou il était vraiment... Et pourquoi n'a-t-il pas gagné plus que ça? Bien, tout simplement parce que, bon, il n'y a pas eu vraiment des bonnes voitures en Formule 1. D'ailleurs, il critiquait beaucoup Ferrari. Ferrari était très creux. Il était sur son départ de chez Ferrari. De toute façon, il s'en allait avec sa propre écurie. Comme Jacques Tellier, c'est le premier crash à 110%. C'est l'esprit, Gilles, c'est l'esprit. Effectivement, il était sur le point de partir avec son écurie. Tout était en place, les ingénieurs étaient embauchés. Tout était placé avec les commanditaires et il s'en allait de chez Ferrari. En fait, il aurait voulu faire un peu ce qu'on a fait avec Barr. Qu'est-ce que ça allait donner plus tard? Quand je parlais avec Gaston Parent la semaine dernière, puis on discutait de ça, puis j'ai parlé avec Joanne, puis avec tout ça. Puis je disais, qu'est-ce qu'il ferait, Gilles, aujourd'hui? Bien, il sera encore dans la course automobile. Puis il sera à la tête d'une équipe, puis il sera encore... Et peut-être que le petit Jacques, à un moment donné, il serait fait bardasser pour avoir des bons pions derrière, parce qu'il était tellement exigeant vis-à-vis son fils. Mais il n'aimerait pas la Formule 1 aujourd'hui, Bien, il serait adapté, probablement. Comme Loda. C'est facile à dire, il botterait le derrière de son fils, mais est-ce que son fils serait rendu là si le père était encore vivant? Est-ce qu'il y aurait eu un ascendant tellement puissant sur son fils? Est-ce que le fils aurait été dans l'ombre du père? Honnêtement, je pense que Jacques serait devenu skieur. Si son père était là, je pense pas que le jeune Jacques serait devenu pilote automobile. Je pense que ça aurait été invivable. Et je pense que le jeune Jacques aurait été plus vers la profession de skieur. Jacques, le problème... Personnellement, j'ai toujours beaucoup de difficultés à le voir, avoir autant de retenue quand on lui demande simplement de nous dire « Es-tu fier de ce qui se passe? » J'ai entendu encore une entrevue aujourd'hui assez cassée avec Christian Tortora parce que c'est une exclusivité.
incroyable. Tu t'en viens à être un peu choqué. Mais la réponse se trouve, je pense, dans la biographie de Gilles Villeneuve. Très, très bonne biographie qui a été écrite par Gerald Donaldson. Je pense que Pierre en parle peut-être dans son livre aussi, mais les rapports entre Gilles et le reste de sa famille vers la fin de sa vie, c'était pas très, très jojo. On dit que Jacques était déçu parce qu'il semblait que tout l'amour ou l'importance des enfants était tourné vers Mélanie. Mais ça, encore là, il y a différentes versions à ça. Est-ce que ça a été voulu après ça par ceux qui sont restés en arrière? Puis que là, à un moment donné, c'était peut-être avantageux de projeter une image négative du père vis-à-vis les enfants. Peut-être. Vous croyez, Jacques, quand il dit toujours, moi, je regarde toujours en avant, je ne suis pas le genre à regarder en arrière? Je pense que Jacques, là, c'est sa vie privée. OK? Puis ça, là-dessus... T'as pas le droit de toucher à sa vie privée. Ouais. T'as pas le droit de toucher à sa vie privée. Puis dans le fond, ce qu'il faut retenir de Gilles Villeneuve, c'est justement, il a gagné seulement 6 courses, mais il s'est toujours donné à 100 % à fond, tout le temps, chaque tour. Où il était le plus malheureux? Moi, je me souviens, quand il courait à Long Beach avant le Grand Prix à Imola, on est revenu ensemble sur l'avion de Long Beach. Et ce qui le rendait plus malheureux, il me disait, Pierre, qu'est-ce que le monde va dire quand tu vas annoncer que je vais me séparer, puis tout ça. J'ai toujours projeté l'image, la famille, les enfants. Je me dis, gars, Gilles, pourquoi tu vas continuer? Ça marche plus. Ça te donne quoi d'être malheureux? Tu sais, ça fait quoi, là? Ouais, mais le monde, ils vont dire, les Italiens, là, ils vont commencer à me détester parce que je dis non, t'arrêtes. Ça, c'était une grosse préoccupation, l'image de famille qui projetait. Il y avait l'épiderme sensible, forcément. Oui, énormément. Ouais. Comme le jeune Jacques qui l'a, hein. Oubliez pas une chose. Tout ce qui se dit, tout ce qui se rapporte à Montréal, tout ce qui s'écrit sur lui, le jeune Jacques est au courant, il sait, il en prend bien note. Il est juste blindé, il est carapacé. Mais il se fait une carapace à lui. Depuis qu'il a 11 ans, ce gars-là, il a été pitché dans les pensions. Il y a eu un bel héritage, je pense, de Gilles Villeneuve. On parle de Jacques, on parle des Carpentiers Tagliani, on parle des Bertrand Godin. Toi, c'est Gilles Villeneuve qui a été ton inspiration dès le tout début. Moi, je vais vous dire, en 97, quand j'ai gagné au circuit Gilles Villeneuve, quand j'ai eu le drapeau dans les mains, j'ai pensé à Gilles Villeneuve. J'ai eu une pensée pour lui. Parce que c'est sûr, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a... Il nous a montré, je pense qu'on a tous un petit peu, peut-être un millième de Gilles Villeneuve. Oui. On peut pas être Gilles Villeneuve, mais moi, je retiendrai toujours l'effort qu'il a fait derrière des voitures qui étaient vraiment pas performantes. Un charisme aussi, il y avait le don de parler aux gens, d'être simple. Puis ça, ben, chapeau. En une minute, mes amis, c'est quelque chose qu'on peut lancer à nos téléspectateurs sans nécessairement avoir, comme on dit, être en possession tranquille de la vérité. Vous qui êtes de sport automobile, on pourrait vous le demander, est-ce que Gilles Villeneuve est le plus grand héros sportif dernière du Québec? De jeu dans ce peut-on débat. Même le mettre dans la même catégorie que Maurice Richard? Peut-on l'élever au-dessus de Maurice Richard? Et je maintiens que je pose une question, je ne veux pas du tout... Ils sont chacun dieu dans leur paradis. Frustrer des gens. Au même niveau, oui. Ouais, définitivement. Mais... Au même niveau, au même niveau, ça a été un grand... Bertrand a souligné un point important. Les deux dernières victoires qu'il a eues en 81, il les a gagnées avec... ce qui était l'équivalent d'un tracteur. Je pense qu'il y a à peu près personne, à part un gars comme Senna ou Schumacher, qui aurait pu faire gagner cette poubelle-là. Alors déjà, ça en dit énormément sur l'étendue du talent de ce gars-là, et il a fait des exploits qu'on n'oubliera jamais. Il est mythique, Gilles Villeneuve, c'est pas pour rien. Ce qu'on oublie, c'est que vous allez sur n'importe quel continent sur la planète, vous mentionnez le nom Villeneuve, Gilles Villeneuve, il est connu. Maurice Richard, ça va aller en Amérique du Nord, ça va aller tout ça, mais ça ne dépasse pas ces frontières-là. Okay. On ne peut pas dire comprendre... au Québec, Pierre, mais son envergure internationale, ça ne fait pas de doute. Ça ne fait aucun doute. Ce qui m'a fait le plus mal dans toute l'histoire de la carrière de Gilles Villeneuve, c'est après sa victoire, quand il y a des imbéciles à Montréal qui en ont mis en doute et qui ont dit que ça a été arrangé. Ça m'a toujours fait mal. Merci, Pierre. Bertrand, Philippe, merci d'avoir participé à notre façon de se rappeler au souvenir de Gilles Villeneuve. Ça a été un honneur ce soir.